Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 24e épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui à l'harmonisation de la gamme mineure mélodique. Donc hier je vous ai montré les positions en diagramme. Aujourd'hui on va voir comment harmoniser tout ça comme on a vu pour la gamme majeure. Aujourd'hui courte leçon parce que je suis vraiment à la bourre, je pars jouer dans même pas une heure, donc il faut que je fasse la vidéo, que je la monte, etc. Alors je vais vite fait vous briefer sur chaque degré. Donc le premier degré, il sera mineur majeur 7. D'accord ? Donc mineur majeur 7, c'est un accord qui est mineur, d'accord ? Mais qui a une septième majeure, donc fondamentale, tierce mineure, quinte juste, septième majeure, je vous le joue. Écoutez ce son. Ok ? Deuxième degré, ce sera mineur 7, pas de difficulté, fondamentale, tierce mineure, quinte juste, septième mineure. Ok ? Troisième degré, ce sera majeur 7, dièse 5, donc avec une quinte augmentée. Donc c'est le degré bémol 3, hein, ce qu'on appelle. Ok. Donc ça veut dire fondamental, tierce majeure, quinte augmentée, septième majeure. Donc le quatrième degré, lui, sera septième. Donc fondamental, tierce majeure, quinte juste, septième mineure. Le cinquième degré sera septième aussi, donc on a deux degrés septième consécutifs, donc fondamental, tierce majeure, quinte juste, septième mineur, ok les gars. Le sixième degré sera mineur 7, bémol 5 ou demi diminué, fondamental, tierce mineure, quinte bémol, septième mineur. Le septième degré sera demi diminué aussi ou mineur 7, bémol 5, ok, et après bon, on arrive au premier degré, d'accord. Donc ça nous donne Do mineur majeur 7, Ré mineur 7, Mi bémol majeur 7, quinte augmentée, Fa 7, Sol 7, La mineur 7 bémol 5, Si mineur 7 bémol 5, et après. Ok ? Ok, donc des renversements un peu moins courants, par exemple j'aime bien ceux-là moi, parce que comme je vous le disais dans je sais plus quelle vidéo, il y a le cluster au milieu, ça j'aime bien, donc j'aime bien parce que ça sonne joli, enfin ça sonne joli, vous voyez, vous trouvez ça dissonant, et pourtant dans les accords des Feux de l'amour les gars, c'est présent, c'est dans le début du générique des Feux de l'amour, vous entendez. Comme quoi, hein, incroyable. Donc, Do mineur majeur 7. Donc on part, la note la plus grave ce sera tierce mineure, septième majeure, fondamentale et la quinte. Donc, Ré mineur 7. Mi bémol majeur 7, quinte augmentée. Ok. Fa septième, Sol septième. La mineur 7 bémol 5 ou demi diminué, Si mineur 7 demi diminué et Do mineur majeur 7. Là je vous les ai énumérés avec des accords avec les septièmes, mais n'oubliez pas, on peut le faire aussi en accord en triade. Donc ça nous donnerait en triade Do mineur, Ré mineur, Mi bémol augmenté, ok, Fa majeur, Sol majeur, La mineur quinte bémol, Si mineur quinte bémol, et donc après Do mineur. D'accord ? Avec des triades, tiens, pour un peu changer, tiens, on a qu'à les faire sur les trois cordes les plus aigus, donc Do mineur, Ré mineur, Mi bémol augmenté, Fa majeur, Sol majeur, La mineur quinte bémol, Si mineur quinte bémol et Do mineur. D'accord ? Après, à vous de développer, hein, comme je le dis. De toute façon, je ferai sur les triades, notamment sur les triades, je ferai une grosse vidéo pour les bosser comme un warrior.
Sur les harmonisations de gamme aussi, je vais le faire bosser les harmonisations comme un warrior. Donc je prévois en fait des vidéos assez longues où en fait il y a des exercices et je travaille, je travaille en même temps que vous. Enfin bon, c'est vous qui allez travailler plutôt en même temps que moi. Donc on fera vraiment, on passera par les 12 demi-tons, on fera vraiment des exercices qui font vraiment travailler et qui surtout, comme je vous le dis souvent, en fait quand on travaille les 12 demi-tons, c'est-à-dire quand on prend quelque chose, que ce soit un plan, une suite d'accords, etc. et qu'on le travaille dans les 12 demi-tons, on a vraiment, on crée vraiment quelque chose qui, on ancre quelque chose. Voilà, moi je peux vous dire puisque c'est un travail qu'on fait pas forcément par soi-même parce que franchement c'est pénible. Franchement c'est pas pénible que pour les doigts mais c'est aussi pénible pour le cerveau. Et je peux vous assurer que le peu de trucs que... Enfin j'ai remarqué ça, le peu de choses, enfin parce que bon dans la masse de choses que vous travaillez bien sûr vous n'allez pas travailler tout dans les 12 demi-tons mais ce que j'ai travaillé vraiment dans les 12 demi-tons c'est les choses qui sont restées le mieux ancrées. Parce que ça crée des connexions... Déjà, vis-à-vis des plans eux-mêmes, en changeant le doigté, en la visualisation du manche, la relativité entre les notes et entre les espaces qu'il y a, je parle des espaces physiques, hein, c'est-à-dire entre les notes, enfin entre les accords, etc. C'est beaucoup mieux ancré, ça s'ancre vraiment dans votre cerveau. Donc ces vidéos-là, il me faut vraiment du temps, parce que je prévois de faire, ce sera peut-être des vidéos qui dureront plus d'une heure. Et en fait, il faut que vraiment que ça prend du temps. Hein. Donc, pour tabler, etc., pour faire les vidéos, le montage, l'export. Bon, maintenant, j'ai eu la fibre, ça y est, j'ai la fibre. Donc, téléchargement des vidéos, super, super rapide, mais il faut... Vraiment, je vais faire ce développement-là avec... sur les 12 demi-tons, c'est vraiment les trucs qui permettent d'ancrer les choses, quoi, vraiment. Voilà, donc pour l'harmonisation de la gamme mineure mélodique, je vous le rappelle, premier degré, mineur, majeur 7, deuxième degré, mineur 7, troisième degré, majeur 7, quinte augmentée, ou majeur 7 augmentée, majeur 7, dièse 5 aussi, on peut dire. Donc, fa 7ème, sol 7ème, mi mineur 7, bémol 5, si mineur 7, bémol 5, et on revient à do. Vous entendez vraiment, il y a une couleur. Voilà pour aujourd'hui les gars, donc je sais pas encore, je sais pas ce que je vais faire demain. Donc pour ceux qui me suivent, qui me commentent, qui m'envoient des messages, je vous remercie vraiment les gars. Il y a une recrudescence d'abonnés depuis que j'ai fait le vlog, vous êtes à je crois 91 abonnés depuis que j'ai lancé le vlog, donc c'est génial. Merci pour vos commentaires, vous pouvez les laisser là, vous pouvez me laisser un... vous pouvez me laisser un pouce bleu. Ici dans la suggestion ici je vais vous mettre je vous ai mis des vidéos notamment qui parlent des triades etc. comme ça pour ceux qui viennent d'arriver vous pouvez travailler vos triades avec tous les renversements de triades dans cette harmonisation de la gamme mineure mélodique. Vraiment je tiens vraiment à vous remercier, ça me fait vraiment chaud au cœur de d'avoir vos messages et bon, de voir que vous me suivez et puis que ça vous intéresse. Je suis vraiment content que ça... J'essaye de faire au mieux pour que ce soit... pour que ce soit bonnard, quoi, hein, avec les tablatures. J'espère qu'elles sont assez lisibles de tous vos appareils. Je sais pas trop sur la tablette, j'ai pas regardé encore sur la tablette ce que ça rendait, si c'était bien lisible. Mais en tout cas, vraiment, merci, merci beaucoup à tous. Et donc, on continue. De toute façon, sur cette lancée, je vais essayer de... je m'étais donné plus ou moins un mois, à peu près, pour voir un peu ce que ça donnait. Et puis, je vais continuer à faire une vidéo tous les jours du vlog. Plus, là je vous prépare des backing tracks pour le mineur mélodique, notamment le Dorian bémol 2, génial, le mode il tue.
voilà, l'idiom bémol 7, etc. Les modes issus de la gamme mineure mélodique. Donc, de toute façon, je ferai une vidéo pour expliquer. Les modes, je tarde un peu à vous expliquer parce que je cherche des concepts pour vraiment que ce soit sympa. Là, du coup, j'ai trouvé des concepts pour vous faire des vidéos sur le ear training, etc. Donc, ça va être super, vous allez voir. Aussi des vidéos, j'ai trouvé, mais des centaines de sujets. Je vais essayer vraiment de vous faire des trucs sympas. Écoutez les gars, je vous dis à demain. Pareil, toujours pareil sur les réseaux sociaux, sur ceux qui veulent me joindre, essayez plus de me joindre sur ma page Sébastien Zunino guitariste, parce qu'en fait Messenger, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages qui ont été mis dans qui n'ont pas été acceptés quoi, ils ont été mis dans un genre de dossier spam. Donc voilà, vous pouvez me joindre sur ma page Facebook Sébastien Zunino guitariste, c'est mieux. Et puis toujours pareil, abonnez-vous, un pouce bleu s'il vous plaît en bas, des commentaires, partagez avec vos potes, voilà, c'est le top. Voilà. Allez, je vous remercie, je vous dis à demain les gars. Bye, ciao.